J'ai plus envie d'aller me baigner que d'aller écrire. Je pense qu'il est à 3000 BPM par minute là. Ouf, j'ai faim parce que je mange pas beaucoup le soir. Allez, pousse, 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 pousse. Le matin, let's go, on y va les amis, let's go. Et voici ce que je vois le matin en arrivant. Et tu m'aurais dit, moi, que j'aurais ce type de vie, je t'aurais jamais cru, parce que j'avais vraiment le sentiment que ce type de vie, entre guillemets, quand je dis ce type, c'est une vie qualifiée souvent de gens riches, etc., était inaccessible, réservée à des héritiers. Je m'aperçois que c'est pas le cas. Bon, allez, c'est l'heure, c'est le moment d'aller chercher mes affaires pour la séance de sport. Alors attends, qu'est-ce que je vais prendre? Les amis, regardez, ils ont pas un beau sourire. How you doing, George? Well, very good. How you doing, Miguel? Good, very good. Here we go? Yes, I'm ready. Okay, let's go. Bon là, tu vois, on est en marche arrière et je trouve que Miguel s'en sort très très bien. Et tout le monde le sait, piloter une Lamborghini en marche arrière, c'est extrêmement complexe. Hein. S'il y a un rendez-vous que je ne rate jamais tôt le matin, c'est quand même le sport. Alors tu vas me dire, mais pourquoi tu prends une voiture pour aller faire du sport? Eh ben t'as raison, je devrais y aller à pied en footing, t'as raison. Vas-y, engueule-moi. Mais non, c'est pour aller plus vite. Je vais aller au sport, faire ma séance, ensuite le petit déjeuner, et ensuite j'ai un emploi du temps qui ressemble à tout sauf de passer sa journée à se dorer la pilule sur la plage. En ce moment, je suis en train de préparer la rentrée stratégique pour mes entreprises. Je fais 5 à 6 réunions téléphoniques et Skype par jour. Et en plus, j'enregistre des vidéos comme celle-ci parce que j'ai la mission d'inspirer des millions de personnes chaque année. Et pour moi, c'est important de redonner du sourire, de l'énergie. Et puis accessoirement aussi, j'écris mon deuxième livre. Donc, blague mise à part, oui, je veux gagner du temps. Si je viens le matin, c'est mon lieu de torture, si tu veux. Je viens ici pour souffler et j'utilise ces machines en général à un rythme de... Je m'entraîne tous les jours, il y a des jours où c'est plus intense que d'autres, mais c'est d'abord pour le mental, si tu veux. Et je fais en sorte de faire travailler, notamment en ce moment, parce que je me prépare pour la tournée 110, de travailler en superset, avec des pauses simplement de 30 secondes, des exercices durant 30 secondes, pas forcément très lourds. Et aujourd'hui, ça va être le cardio, j'en ai besoin. Il a su, non? Vous voyez la santé? C'est ça la santé, les amis. C'est bon parce que j'aime me retrouver dans des clubs de gym comme ça. En général, dans le monde entier, c'est là où je vais dès que je suis en déplacement. Mais c'est bon de faire des connaissances avec des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes objectifs, qui se poussent et qui en sont en arrivés là parce qu'ils se poussaient avant. Vas-y, 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 vas-y! Pousse! Come on! Push, 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 come on! You're gonna hit the heart! Alright, let's go! Allez, pousse, 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 pousse! N'écoute pas ton corps. N'écoute pas ta tête. Ce qu'elle veut, c'est de la bière, c'est de la pizza. C'est se plaindre, c'est être victime. Ah, pousse! C'est ça d'être à 110%. Dans tes affaires, dans ta carrière, dans ta vie privée. Les gens qui chialent le plus ont la plus grosse ventouse. Accrochez leur cul. Et plus la ventouse est grosse,
et plus tu restes sur ta chaise. Mais suis mon raisonnement. Plus tu restes sur ta chaise, et moins tu as de résultats. Positif. Tu as des résultats, mais négatifs. Et ça confirme ce que tu te racontes depuis des années. Il n'y a pas d'argent. Je suis trop grand, trop petit. 3G, trop jeune. Trop diplômé, pas assez diplômé. J'habite pas dans le bon pays. Je n'ai jamais eu de chance. Il n'y a pas de marché pour moi. Les clients n'aiment pas mon produit. Et tu vois, une fois que tout ça c'est fini, la vague, qui peut durer en entrepreneuriat facilement 10-15 ans, je te mens pas, eh bien c'est exactement ce que tu te dis. Tu te dis, je suis fier de la personne que je suis devenue parce que je me suis battu pour devenir cette personne. On me l'a pas offerte, je suis venu la décrocher, la manger, je suis allé me servir au buffet de la réussite. Et c'est ça que je vais vous apprendre à la tournée 110, à ne pas lâcher. Comment faire dans votre cerveau pour ne jamais lâcher? Comment faire? Aujourd'hui, j'ai 20 ans dans le cœur. Et donne-m'en plus, baby, donne-m'en plus, c'est pas assez. J'ai 20 ans, j'en veux plus. Et ce que les gens se disent en général, c'est « je n'ai pas de chance ». Et ils succombent aussi à l'effort. Et ils se disent « je vais prendre la décision la plus facile, la plus simple ». Quelle est la décision la plus simple? Je pense que je vais aller prendre dans le frigidaire parce que j'ai une rage de sucre. That's it. Je veux juste combler ma douleur dans l'estomac sur la rage de sucre. Et ensuite, je dirais que j'ai un diabète de type 2, que c'est une malchance et que c'est génétique. Vous comprenez? Je dirais que j'ai pas d'argent, de toute manière l'argent c'est dégueulasse, c'est que pour les pourris, les escrocs, et puis c'est pas fait pour moi honnêtement. Et en fait, vous êtes en train de vous dire, je suis pas prêt à me battre pour ma femme, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma famille. Je suis pas prêt à me battre pour payer de meilleures études ou médecins à mes enfants. Je suis pas prêt à me battre pour payer une meilleure maison de retraite privée à mes parents pour pas qu'ils crèvent là-dedans dans un pissoir. Non, je pense qu'à moi, je suis égoïste. Je préfère penser à moi, c'est trop douloureux, je laisse tomber. Et là, vous allez sortir des formules comme « Oh, on va pas se rendre fou quand même. C'est pas grave, je le ferai demain. » Et vous trouvez plein d'échappatoires. Et là, pour le coup, vous êtes vraiment extrêmement créatif. Moi, j'ai une proposition à vous faire. Et si vous mettiez votre créativité au service de votre réussite, pas de vos excuses. Que ce soit au soleil ou pas au soleil d'ailleurs, à Montréal ou pas, je fais en sorte d'être le plus méthodique dans mes approches. Vous savez, souvent, on gère les urgences, les priorités des autres, mais pas forcément ce qui est important pour nous, vous voyez. Donc, je fais en sorte de m'isoler, que ce soit au soleil ou pas, ou que je sois dans le monde entier. J'inscris dans mon agenda ce qu'il faut absolument faire et je n'en déroge pas. Donc là, c'est l'heure, notamment, de mon écriture. Donc j'ai casquette, laptop, je fais en sorte de déconnecter le téléphone, les SMS, les courriels. Et j'ai besoin de me couper, je sais que j'ai besoin d'un travail maintenant d'environ 4 heures sans m'arrêter. Alors pour comment dire, c'est peut-être plus simple quand on est au soleil avec des palmiers, ben en fait c'est plus compliqué parce que, tu vois, j'ai plus envie d'aller me baigner que d'aller écrire. C'est exactement ce que l'on dit. Le plus difficile, c'est pas de perdre du poids, c'est de rester au même poids. Le plus difficile, c'est pas de travailler où on veut, c'est de pouvoir travailler malgré les lieux qu'on choisit. Et c'est ici donc que je m'allonge. Allez, je m'allonge pas, je m'assois pour pouvoir travailler toute la journée. C'est parti pour 4 heures. Voilà, fin de cette journée, une belle épopée à chaque fois. Mais la vie est plus qu'une aventure, plus qu'une épopée, plus qu'un chapitre. La vie est une odyssée, imprévisible, impétueuse, tel un océan déchaîné. Et voilà comment dans nos vies, avec le temps, on comprend toutes les épreuves qui nous ont frappés. Dans l'instant, on crie simplement à l'injustice. C'est l'incompréhension. Ensuite, c'est la victimisation et l'abandon. Mais je peux vous dire, pour avoir fait quelques petits jobs déjà dès l'âge de 10 ans, depuis toutes ces années, que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. N'abandonnez jamais parce que votre cerveau va vous laisser à penser que c'est ce que vous devez faire, mais il n'en est rien. N'abandonnez pas. Jamais. Never give up. Never.
Quand vous êtes dans un tunnel, dans un fucking de tunnel, vous vous dites, mais pourquoi moi? C'est pas possible, ça ne se terminera jamais, les galères. Et puis, un an plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, une fois que vous apprenez les leçons de la vie et que vous vous dites, tiens, voilà l'erreur que j'ai faite, mais j'y ai pas pensé avant. Voilà comment il y a des gens qui ont besoin de se marier 3 fois avec le même type de personne avant de se dire, mais c'est pas ce type de personne qu'il me fallait. Elle n'avait pas retenu la leçon de la vie au premier mariage. Idem pour le poids, idem pour la santé, l'argent, les relations, l'entrepreneuriat, notre capacité à être heureux, heureuse dans notre vie. Tout cela, ce sont des leçons de la vie. Tant que tu n'apprends pas la leçon de la vie, elle se représente encore et encore. Et inlassablement, elle te frappe. T'as un petit marteau sur ta main et ça tape sans arrêt. Et quand ça s'arrête, tu te dis, waouh, c'est bon. Mais plus que d'arrêter de frapper sur sa main, c'est de choisir sa destinée. Et avec ce cliché de ce hamac juste derrière moi, là, là, juste ça. C'est un cliché, le hamac. Bah, j'aime ce type de cliché, honnêtement. Mais c'est dans ces moments-là, lorsque vous avez votre premier enfant qui était tellement difficile à avoir, l'homme ou la femme de votre vie que vous attendiez depuis tellement si longtemps et qui est apparu le lendemain alors que vous étiez prêt à abandonner. Idem pour toutes les sphères de votre vie, le business, la vente, tout ce que vous voulez faire. La leçon de la vie, c'est de ne jamais abandonner. Jamais. Et dans les moments difficiles, répétez-vous cette phrase. I can do anything. I can do anything. Je peux faire tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Avec le temps et la patience, mais tout ce que je veux. Ça passe par la santé, la famille, les relations, l'accomplissement personnel, la connaissance de soi, la confiance en soi, l'honnêteté intellectuelle, la positivité et l'argent, évidemment, à la fin. Vous savez, ce qui est le plus complexe quand on a un leader, un papa, une maman, un entrepreneur, ou sur son lieu de travail, c'est d'être à la fois dans cette capacité d'être dans la reconnaissance sans arrogance. Je suis fier de ce que j'ai accompli, mais je ne suis pas arrogant. D'être dans la confiance sans l'arrogance, tu comprends? C'est tout le trait, le soupçon de singularité qu'il peut y avoir dans les comportements, dans cette capacité d'avoir du charisme, de rayonner, d'aider les autres, mais de ne pas écraser. Le seul moment où tu regardes quelqu'un de haut, c'est le moment où tu l'aides à se relever, sinon tu ne le fais pas. C'était une journée de satisfaction, de reconnaissance et un rappel à vous dire que attention à ce que vous avez attendu depuis le début. Vous avez entendu que, par exemple, à propos de l'argent, que l'argent rend vilain, rend moche, rend égoïste. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Qu'on ne peut pas avoir des amis et un travail épanouissant, c'est faux. J'ai même entendu, si t'as de l'argent, t'auras jamais de vrais amis. Si t'as de l'argent, tu seras jamais spirituel. Si t'as de l'argent, tu seras escroc, méchant. Idem pour la santé, tu pourras pas avoir la santé et des enfants. Enfin, c'est pas possible, il faut t'occuper de tes enfants. Tu pourras pas avoir, c'est soit ton travail, soit ta famille. Et voilà comment vous avez entretenu ce poison dans l'esprit depuis autant d'années. Qui étonnamment a affronté comme ça les années de génération en génération. Mes amis, faites votre propre expérience, mais retenez ceci. Je n'abandonne jamais et je peux faire ce que je veux. I can do anything.